Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Les Secrets de Nana. C'est parti pour une petite vidéo à Lidl et nous sommes dimanche 21 novembre 2021. On va voir un petit peu ce qu'ils proposent dans les arrivages précédents. On a ce pouf coffre, c'est bien parce qu'il est ouvert, déplié, donc on peut voir comment il est. Je le voyais pas comme ça, je le voyais pas aussi solide, on va dire ça comme ça. Donc c'est celui qui est emballé dans ce genre de d'emballage là, donc 9,99. Bah, franchement, pour 9,99, je le voyais pas aussi grand. Donc on a pas mal. L'épilateur électrique 3 en 1, 27,99€, avec le petit épilateur bikini. Câble de démarrage, alors c'est ce que j'ai dans ma voiture. J'ai acheté ça il y a 3 ans, je crois. J'avais eu à l'époque un petit souci avec mon ancienne voiture, du coup je les ai conservés et ils sont bien, donc ils m'ont servi à plusieurs reprises. 9,99€. À l'époque j'avais choisi ceux-là parce qu'ils étaient je suis pas trop calée dans les câbles de démarrage, mais j'avais choisi ceux-là parce que je trouvais que le câble était plus épais que certains proposés dans d'autres enseignes. Alors je sais pas si j'ai fait le bon choix, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai choisi. Le set de clé mixte, 29,99€. Le set de démarrage pour tout ce qui est lumière connectée, donc il y a 3 ampoules, pardon, la passerelle et la télécommande. Alors il vous faut forcément la passerelle, la domotique pour avoir accès à la connexion. Après la passerelle domotique, je vois qu'elle est vendue aussi seule. Quand il y a eu l'arrivage, je ne l'ai pas vue. Donc la passerelle domotique seule est à 19,99€. Donc si c'est pour autre chose que des ampoules, donc si c'est vraiment pour les ampoules éclairage, peut-être que c'est plus intéressant de prendre le set de démarrage. Mais sinon vous avez la passerelle qui est vendue toute seule. Alors la passerelle, qu'est-ce que c'est? Je le dis parce qu'au début moi je comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Donc voilà, la passerelle, c'est elle qui va faire la passerelle entre l'application et les ampoules, les capteurs, les éclairages, etc. Il reste des accessoires pâtisserie, 2,99€, avec le petit rouleau. Donc pour les pizzas ou les gâteaux, permet d'atteindre les coins. Alors, par exemple, ça c'est un ustensile que j'ai pas à la maison. Pour l'instant, j'en vois pas d'utilité, mais c'est toujours pareil, il y a des fois des choses auxquelles on ne pense pas. Donc on a l'ensemble, donc la spatule Maryse et le pinceau, toujours à 2,99€. On a le set de poche à douille en silicone. Et je sais pas s'il reste, il y avait des... il y a ça. Les tapis de cuisson en silicone, comme ça. Donc 2,99€. Ah oui, quelque chose qui fait pas mal par rapport à d'autres enseignes, c'est ça. Je trouve que ce racloir en acier inoxydable, il a l'air mieux déjà. Il y en a un qui est ouvert. Hop. Il a l'air mieux au niveau de la prise. Hop. Donc 2,99€. Le set de tampons à biscuits. Donc pour mettre des petits motifs sur vos biscuits. C'est pas pour découper. Enfin, voilà. Hop, faire des petits dessins. 2,99€. Après, il reste un emporte-pièce là. Pour faire des petits sablés en forme de flocons. Alors à côté, je vois un appareil, je n'avais pas compris vraiment à quoi ça servait. Jusqu'à ce que cette semaine, j'ai eu un rendez-vous pour mon genou. Donc j'ai un petit souci au niveau du genou. Et donc j'ai été voir un kiné ostéo-kiné. Et il m'a posé un appareil, je pense que c'est ce genre de choses. Et du coup, quand il m'a posé l'appareil, je me suis dit, oh mais ça me parle ça, j'ai vu ça chez Lidl. Bon, je ne l'ai pas dit. Voilà. Mais je me suis dit, ouais, parce que quand il m'a expliqué, en fait c'est ça. C'est une stimulation nerveuse électrique. Hein. Donc j'ai l'impression, parce que quand je lui ai demandé un petit peu, en fait, il m'a posé des électrodes et tout, un petit truc comme ça là. Et quand il m'expliquait que ça envoyait des petites décharges électriques pour stimuler en fait le genou, donc pour soulager la douleur. Et tu sais, j'ai pensé à ça et ça, bon, c'est rigolo que je le vois. Donc je pense que c'est ça.
Là, il coûte 24,90€. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est les mêmes. Je ne parle pas de ça. Ça m'a juste rappelé ça. Et je comprends mieux à quoi ça sert ce produit-là. Donc, il y a pour le poignet, pour la cheville. Et je crois que la dernière fois, j'en ai vu aussi pour les genoux. Je ne sais pas s'il y en a un qui fait les deux. Alors, bien sûr, ça, c'est une utilisation... je sais pas comment vous expliquer ça, personnel quoi, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc c'est pour soulager voilà les douleurs sans médicaments. Après évidemment, comme tout ce que je vous présente, tous les dispositifs médicaux, le petit conseil que je vous donne, c'est aller voir un médecin, faites des radios, faites des échos, voyez un ophtalmo. Ne vous auto-médicamentez pas forcément tout seul. En fait, c'est juste pour avoir... après, voilà, si vous estimez que vous avez besoin de ça, ben voilà. Mais je dis ça parce que des fois, ben, on a envie de soigner un peu tout seul, etc., etc. Mais des fois, peut-être qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Le gris 3 en 1. Le fameux gris. Alors, il me semble que Lidl en commercialise 3 de mémoire. Il y a celui-là, il y en a un peu plus petit, puis il y en a un entre les deux. Alors celui-là, c'est celui qu'on peut ouvrir pour offrir une surface de grillade plus grande. Et après, on peut faire les panini, on peut juste le laisser comme ça pour faire par exemple deux steaks. Donc 39,99€. Le robot multifonction, 19,99€. Il reste encore quelques robots pâtissiers multifonction à 58,99€. Il reste quasiment que du rose. Alors pour les personnes qui attendaient les mixeurs là qui devaient arriver lundi dernier, alors j'en ai pas vu dans les Lidl que j'ai fait. Alors comme je vous l'explique parfois dans les vidéos, depuis quelques mois, mais ce n'est pas que Lidl qui a impacté, il y a beaucoup d'autres enseignes. Moi il y a des enseignes, quand je vais faire une vidéo, je me dis « Ah oh, mais c'est quasiment vide quoi, il y a des grosses enseignes hein. ». En fait voilà, il y a un souci hein, au niveau des livraisons, etc. Donc dès que le problème sera résolu, je pense qu'on les verra en rayon. Moi je parle plutôt pour ma région, vous allez me dire vous dans votre région si vous avez pu avoir le pied mixeur ou pas, mais je pense que non, après je peux me tromper. Tiens, la petite machine à coudre manuelle, 16,99€, alors ouais c'est tout petit, ce genre de machine c'est vraiment sympa pour faire des petits ourlets, un petit rideau, un petit ourlet, pantalon, manteau, alors peut-être pas les pantalons épais, mais vous voyez c'est pour faire ce genre de couture. 16,99€. Tiens, il reste un moule en silicone pour faire les formes de Noël. Des hachoirs, le fameux hachoir comme ça. Donc il était en bleu, en noir et je crois qu'il était en blanc si je me souviens bien. Je répète encore la même chose, alors même si ça doit servir à une personne sur 1000, au moins je le répète, quand vous allez le prendre dans la boîte, il est comme ça. Il faut enlever cette petite spatule blanche et en dessous vous avez le couteau en inox. Alors faut pas le jeter, c'est pas une protection, c'est pas qu'une protection, c'est aussi ce qui va servir à émulsionner pour faire monter des petits blancs, neige, etc. Après comme je dis à chaque fois, il se peut que vous en achetiez un et que vous allez avoir un souci avec. Si c'est dans le premier mois, et ben en fin de compte vous le ramenez et on va vous l'échanger si on a encore un rayon ou vous le remboursez. Au-delà d'un mois, il va faire partie du service après-vente. Donc on va trouver une solution, soit on va vous le réparer, soit on va vous l'échanger. Enfin ça, c'est eux qui voient, mais il y a un service après-vente. À chaque fois, je le répète parce que des fois, je vois dans les commentaires, j'ai acheté ça, je l'ai jeté. Donc je ne comprends pas. Mais bon, moi quand j'achète quelque chose et qu'il ne fonctionne pas, je pense au service après-vente, même pour quelque chose que j'avais acheté 8, 9, 10, 12 euros. Hein. Pareil, des hachoirs multifonction comme ça, je crois que Lidl, on propose 3, je crois, 2 ou 3 modèles différents. Le fameux défroisseur à main, 19,99€. Ça, idéal pour défroisser chemise, pantalon. Alors, comme je dis, moi, ça, c'est très bien, c'est d'appoint. Hein. Donc, si vous avez une panière de linge à repasser, laissez tomber, prenez une centrale vapeur. Mais par au moins j'en ai un et quand j'ai besoin d'une chemise ou quelque chose à repasser tout de suite parce que j'ai pas repassé, parce que j'ai piqué dans le linge propre qui vient d'être lavé et séché, du coup j'utilise ça. Voilà. Il y en a beaucoup aussi qui. Mais bon, maintenant ça se fait de moins en moins les voyages pro, etc. avec
avec cette histoire de Covid, mais beaucoup, moi j'ai connu des fois ça, par rapport à ça, à des abonnés qui me disaient, ben nous, voilà, on doit se déplacer pour raison professionnelle, et ils l'emportent avec eux, parce que comme ça, hop, hop, c'est assez rapide. Alors, pas forcément volumineux, voyez, mais c'est vrai que ça peut être assez sympa, même si parfois, dans les hôtels où on va, etc., ils proposent des fers à repasser, mais ça, c'est pratique. Alors, il reste une crêpière. Et ces crêpières-là, j'ai eu que des bons retours. Alors vous allez me dire, mais une crêpière, c'est une crêpière. Ben non. Une fois, j'avais acheté une crêpière, il y a quelques années de ça. Moi, j'en avais été très déçue. Je trouvais qu'elle chauffait pas trop, que, enfin, etc., etc. Mais apparemment, celle-ci, j'ai eu des bons échos. D'ailleurs, merci à celles qui m'ont donné le nom du thé. J'appelle ça un thé. Merci, mais alors, je m'en souviens vraiment pas. Voilà, parce que là, ils appellent ça répartiteur et spatule, mais ça a un autre nom, ça. Voilà. Allez, si on faisait un petit tour côté maquillage, j'ai oublié, un gros bisou à une abonnée que j'ai rencontrée avec qui on a discuté, de Monsieur Cuisine, etc. Je suis désolée, tu vois, je t'ai emportée dans la discussion, j'ai oublié ton prénom. Voilà, je pense que tu te reconnaîtras, merci beaucoup. Les rouges à lèvres, donc on a plusieurs couleurs. Donc moi j'avais testé, il y avait un rouge que j'ai testé, je trouvais pas mal. Les glosses, pareil les glosses, alors j'ai testé le transparent et j'ai testé celui-là. Alors il y a eu un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, je cherchais absolument du rouge et j'ai toujours pas trouvé le rouge qu'il me fallait. Puis après, il y a eu les masques. Donc voilà. Alors je sais pas, mais je me dis, les fabricants de rouge à lèvres et tout ça, ils ont dû vraiment avoir leur chiffre d'affaires baissé vu le masque. Donc le, alors c'est pas parce qu'il y a le masque qu'on arrête de se maquiller, mais je pense qu'on en met moins. Alors soit on va aller au travail, donc on va attendre peut-être d'arriver. Et encore parce qu'on a le masque. Donc voilà. Voilà, voilà. Les vernis, donc les vernis non, hein. Je pense que les vernis avec ou sans masque, il n'y a pas de souci. Et les petites ombres à paupières. Et les crayons, alors les ombres à paupières, j'en ai oublié les prix. Ombres à paupières, crayons pour les yeux ou pour les sourcils, regardez bien, parce que parfois ils sont dans le même bac, donc il y a des crayons pour les sourcils et des crayons noirs. 1,99€, les vernis aussi 1,99€, les glosses 1,99€, tout est 1,99€. Alors on va terminer par les crèmes pour les mains et un petit coucou et un gros bisou à Dalila. Voilà, crème pour les mains, celle-ci moi je vous la recommande, donc c'est une crème que j'utilise. Alors en général je l'achète quand vraiment j'ai les mains sèches, vraiment, c'est vraiment une crème SOS, c'est le cas de le dire. Alors c'est pas une crème que je vais conseiller par exemple au quotidien ou qu'on va avoir toute l'année, sauf si vous avez toute l'année les mains sèches. La texture, elle est un peu... comment expliquer, je trouve pas mes mots. Enfin, c'est pas onctueux, quoi. Voilà, bref. Et ça répare assez bien les... Elle est concentrée. Ça répare assez bien les noms, mais je retrouve toujours pas le mot que je voulais dire, c'est pas grave. Après, au quotidien, donc il y a celle-ci. Celle-ci, Madame Glamour, donc elle sent comme le parfum. Et justement, je lève la tête et il n'y a toujours pas de parfum. Je sais que quand ils sont en rayon, ils repartent aussi vite, les parfums. Et donc, elles sont assez bonnes. Il y a celle-ci, son anti-âge. Alors, j'essaie de voir, moi, une crème que j'utilise en ce moment. Bon, je ne la trouve pas, mais c'est la crème de la gamme, celle-ci que j'utilise en ce moment. Enfin, j'ai celle-ci. Il y en a d'autres aussi en caisse, des petits tubes. Moi, j'utilise celle fleur de cérisier ou amande. Elles sont vraiment... top, en plus c'est un petit tube qu'on peut glisser facilement dans le sac. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon dimanche. Bah voilà, la vidéo n'est pas finie, je vais passer devant, j'étais obligée de vous les montrer, je vous parlais de ces petits tubes. Ils sont à 1,19€, mais d'habitude il y en a un aux fleurs de cerisier qui sent très bon. Voilà, plein de gros bisous, je vous dis à bientôt.